Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On va faire du brisage PA casque Dragueuf. Là, on en a 4 en stock pour commencer. Voilà, bon classique, on essaie de choper un G perf over plus de 275 vita. Et sinon, on vise le perf pour trans, ratavi, ce qui fait un perf de 75 vita. C'est donc parti. Hop! En espérant que le PA saute assez vite. En vrai, on est pas mal. On est pas mal. La congruence de la vita est pas trop mauvaise. Est-ce que j'avais du puits avant? En vrai, je peux carrément compter depuis le début là. On va essayer de bien optimiser le truc. J'avais 4,8 plus 6 moins 6 plus 1. Plus 0,2 moins 6. Ok, on était retombé à 0 avant la chute du PA. Donc on est à 94 moins 6 moins 6. On a 82. Ok. En vrai. Quarante-huit. On a 34, on peut tenter. Ah, il va falloir un peu de réussite, mais bon. On peut tenter le beau jeu. Hein. Hop, une, deux et trois. Ouais, c'est un peu chiant. Très bien. Eh bien, écoutez, on va mettre une petite rune prosp. Il faut le moins 15. Un échec critique à moins 15, ce serait parfait. Let's go! C'est la connexion neuro-itémique pour bien faire ce qu'on veut avec son item. Ça régale. Est-ce qu'on met la petite transe tout de suite? Je pense que le client doit en avoir en stock. Ok, donc il préfère les garder pour transe plus tard. Bon, bah déjà une full perf qui est réalisée. On passe au suivant. C'est parti, 94. Hop, on a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 42. 52 restants, moins 12, moins 6. Moins 6, on a 28. Ça se fait en soi. Ça aurait pu. Retrait PA. Moins 36, dommage. Si on avait le moins 35, c'était un deuxième full perf. Là, on pouvait pas tellement. Faire mieux que ça. Ok. Troisième. Alors, est-ce qu'on avait un peu de rab? Pareil, il n'y a pas beaucoup de runes qui ont été passées, on va recompter tout. J'ai 1. J'ai plus 3,4. Plus 1. Plus 94. 99,4 depuis. Si ça pouvait tout le temps crit comme ça, ce serait pas mal. Yes. En vrai. 18. Ouh là, il y a moyen de faire une dinguerie. Si ça troll pas trop sur les dernières, on a beaucoup de puits. Nice. 45. Une, deux, 3 et 4. Un petit crit? Non. Bon. Bah c'est un peu triste ça. Next.
Je pensais vraiment que j'allais en passer au moins une, mais c'est pas du troll, je vois le chat qui devient fou. C'est hyper sad d'en avoir passé zéro. L'idée, c'est de chercher. Ce qu'on essaie de faire à la base, c'est d'aller chercher plus que 275 de vita en 9 heures. Donc là, l'idée, c'était. Je m'attendais à être à 235, et à que ça. Soit j'en passe une à 285, c'est une dinguerie, soit j'en repasse pas et on essaie de retomber à 200. Mais j'allais pas partir petit joueur en mode on est à 185, on va à 200. Ça marche pas comme ça. Aucun intérêt sinon, bref. Tac, ok. C'était vraiment passer 0 sur 4, c'est. Voilà. Alors, on a 4,4. 98,4. Moins 12. Moins 12, encore une fois, si ça troll pas trop, peut-être. Moins 6. Moins 6. Moins 12. Moins 12. Moins 12. On a 26, ok, là ça va être un peu plus. On va voir comment ça se passe. On a deux ravis. Allez, une deuxième. Dommage. 40 à virer. Là, c'est typiquement là, j'allais pas me dire bah, je vais viser 200. Non, là j'avais potentiellement l'opportunité d'aller chercher les 290. Et maintenant que ça n'a pas passé, là on essaie de retomber à 200. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Sinon, tu fais jamais des 300 vita en fait, si tu raisonnes comme ça. Bref. C'est pas grave, le chat NP. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais go double tac. Moi, j'ai envie de mettre un PM là-dessus. Mais bon, là, je demande au proprio ce qu'il veut faire. Ah, je crois qu'il est parti acheter une rune PM. J'aime ça. J'aime ça. Pour moi, à partir de 240, c'est quand même sympa de mettre un PM, quoi. J'aime ce que je vois. Ça me plaît. Les amis, le PM, attention. On n'a pas le PM. Bon, on aura quand même passé un full perf sur les 4. On aura eu un moins 1 qui était un peu unlucky sur le moins 36. Et puis pour le reste, écoute, ça doit être moi qui suis pas assez bon. Voilà, donc n'hésitez pas à rager les rageux et à me dire ce que j'aurais dû faire, évidemment. Ça me régale. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sur le troisième brisage, c'était une erreur de passer la dernière ravie. J'aurais dû garder de quoi passer au moins une pavie. Voilà, c'était vraiment une erreur de ma part. J'ai été un peu décontenancé en fait de ne passer aucune ravie. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait au moins une qui passe. C'est pour ça que j'ai cliqué un peu vite sur les runes. Je m'en suis excusé auprès du propriétaire de l'item. Bonus, passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur des palmes de triton moins invitalité pour aller sur un sacrieur R Coliseum. Magnifique.